Va falloir que je m'y fasse, va falloir que je fasse des essais, quoi. De suite, ça ne me paraît pas intuitif. Après, à voir. Ok, ben je vais essayer de tester. Okay, ouais. On va faire la même chose de 4 à 3. Je regarde à 5. Couteau, 4, 3. Couteau. En latéral de couteau à 4? Ouais, tout en latéral, essaye-le. Ok. Voilà, là, tu peux ouvrir un peu de pied en partant. Ouais. La même chose avec 5-4. Ok. Téléconne, 161. Ok, on décolle. Deux.
sont bien de 1 au poteau 1 à 1 là. Comment? C'est l'histoire 1 au palais numéro 1. Sur le poteau, on va prendre le côté de la lame. Oui, après tu recules. Exact, parfait. Tu vas aller plus vite là, ramène ta crosse en même temps. Ah, voilà. Voilà, pour pareil, hein. Ok. Si tu veux mettre ta jambière, ta botte comme il faut à l'intérieur, ramène la crosse, puis avec l'intérieur de ton... De bon, je vais ramener une autre botte. Ok, essaye-le. Voilà. On va faire 4-2 maintenant. 4-2. Ouais, c'est parti pour 10. Six.
8. 9. Allez, à combien ? 168. C'est bon ? Ça ne veut pas monter ? Dans ta pièce d'information et tout, c'est très bien. Tu peux prendre de l'eau un peu, hein ? C'est un problème de lame. Allez, on va aller côté blanqueur. Il va y avoir 3, 4. 3, 4, 3, 3 et 4. Ok, 3, 4, 4, bloqueur. Blanqueur, 3, 4, blanqueur. Oui, c'est ça, bloqueur, 3, 4, bloqueur. Ouais. Allez. Excuse-moi. Mais je comprends pas l'affûtage, il y a un truc qui merdouille. Non, c'est comme ça. Tu vas voir tout à l'heure où tout qu'on va la faire. Où tout qu'on va aller par terre, ça va changer. T'as des bonnes jambes, t'es en forme physique, mange bien. Allez, on fait 3-5 dessus. Explose, ouvre la gaine au départ. Comment? Dirige ta vitesse devant. Allez, on va faire deux. Fais deux, quatre.
Le 4 au poteau, le vient en latéral, vraiment direct. Ok. Allez, c'est parti. Okay.
Ok. Allez, numéro 1. Ouais. Fais-moi latéral à 2. J'ai du mal avec les grands latéraux. Assez anti-push. Alors, t'es un petit peu loin. Rassez-le anti-push. Ouais, t'es mieux comme ça. Parfait. En même temps que tu fais ça, je veux que tu tombes en papillon. Le pion, je bloque. En même temps, là, puis là, tu te relèves à 3. En poussant la grosse devant. Allez. Ok. Touche-moi ou pas. Ouais. Et je vais voir. Moi, j'irai avec nos jambes. Ouais, je vais tester. Je me suis dit, ça va être un peu loin. Je vais tester l'échauffement. Et oui, c'est bon. Ouais. Donc, 1. Oui, à partir du poteau. Poteau. Poteau 3 direct. Non, 1 direct. 1, 2, 3. Bonjour, 1, 2, 3. Toujours le même tableau. 1. Oups, 2. Comment? Donc, je te palais sur toi. Poteau. Ouais. Ok. C'est parti pour 10.
Quel que soit le côté, je préfère quand je me lève avec la jambe gauche. Parce que c'est ma jambe d'appui. Donc dans ce sens-là, je vais préférer me lever avec la jambe gauche. Et dans l'autre sens, je vais préférer. Mais je suis pas sûr que ça soit la bonne technique. Ben là, on va inverser. On va avec la jambe droite. Là. Et avec la jambe droite encore pour le poids. J'ai beaucoup plus de contrôle. Avec ton gain. Ouais. Toutes les fois que tu te relèves avec la jambe droite, ton gain est beaucoup plus libre. Ok. On y va pour 10 fois comme ça. Je me lève que la jambe droite, c'est ça? Pas bien. Ouais. Relaxe un peu là pour prendre de l'eau. Toute fois quand il est là. Tiens, c'est. Tiens, il fait un coup de moule, je sais pas ce qui se passe. Deux secondes. Je sens pas bien. On va travailler le bout un peu là. Ouais, je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai la tête qui tourne, c'est bizarre. Tête qui tourne, allez, dis-moi. Allez, on y va du côté bloqueur. Ouais.
J'aimerais être proche à 1 ou latéral choisi. Dirige-toi à 1, ouais. Dirige-toi à 2. Prends 2. Ouais, l'autre. Dirige-toi à 3. Reviens côté blanqueur. Je recommande. En écartant les bras de moi. Dès que je serre, un petit pouchin. Je reviens au milieu, j'avance. À la même hauteur
parfait, c'est bon. On a un autre palais de l'opposé à droite. Non, non, tu laisses ça, Duran. Excellent. Qu'est-ce que je fais? Je reclique, je recule? Recule, t'as à l'intérieur de la boîte, dirige vers le palais numéro 1. Ok. Et voilà, on recommence. Comment? Ouais. Je vais faire après un petit push pour la fin de la petit push de 1 et je reviens. Oh ouais. Allez, on va mettre voir. J'ai du mal aujourd'hui, il y a un truc qui se passe, j'ai mal au crâne. Ouais, allez, on pousse, on recule avant le plus possible, c'est comme un match. Un espace, c'est ça. Un. Cardio 164. Là, c'est pas le cœur, le problème, c'est pas j'ai la nausée, c'est bizarre. On est opposé encore. Ok. Est-ce que tu vas te chausser? Va sur la rondelle opposée, tu vas mettre de l'autre côté finalement. Je suis là et je me dirige là. Ouais, faut vraiment que tu diriges jusqu'au centre. Comme si elle passe au centre. Ok, donc on glisse. En fait, tu recules et. On va faire une passe à 3.
Le mets face à droite et ensuite tu vas vers le palais qui est à côté de toi, qui est juste à droite. Je recule. Ouais. Face à droite. Face à droite. On part de l'autre côté. Et donc en glissade ou debout? Alors, vas-y, on est encore debout. La glissade, c'est vendredi. C'est pas vendredi, mais c'est la semaine prochaine. Allez. Je vais vomir un palais. On va à l'autre côté après. Ouais, 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 j'arrive. Il reste 10 minutes. T'as fini. Allez. Allez, c'est parti. Formation de l'histoire.
6. Ça, c'est complètement un geste qu'on fait différemment. On n'a jamais fait qu'est-ce qu'on fait là. Non. J'ai un peu de mal du coup à mordre pour reculer en 6 4. C'est un peu sur le synthétique, mais ça va mieux aller sur l'inverse. Oui, mais c'est pour ça du coup j'ai un peu de mal à prendre les marques là, pour le. On fait la même chose, quand on va aller au poteau, on va faire poteau poteau. On n'arrêtera pas. Allez, on recule, avance, on recule, on recule, le milieu, la rondelle, le poteau, l'autre poteau, explose à un, et revient à l'avant. Ça, c'est super important dans tous tes mouvements, sur le trottoir, n'importe où. Il faut toujours que tu fasses ça comme ça. Il faut que ça vienne un automatisme. Tu diriges en avant et tu regardes à gauche. Vas-y. Voilà. Pas plus dur, mais ça va se faire. Thank you.
Allez, on relaxe. Allez, on relaxe en avant. Ah, Steph, j'étais pas bien aujourd'hui. C'était pas. En plus, tu n'étais pas bien, c'est pas grave. On a fait des trucs différemment, ça demandait plus de concentration. Un Québécois qui parle un français, tout ça, ça devient difficile. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on le fait. Et je veux que tu gardes le sourire. Ah, mais je garde le sourire. Absolument. Ça, c'est la plus belle qualité que t'as, toi. Sur le sourire, je m'en veux du coup de ne pas avoir été en forme et d'avoir pas plus bossé, mais ça c'est pas grave, la prochaine fois c'est rien mieux. Et voilà, ça c'est une belle qualité que toi. Donc on va se reprendre. Alors. Ouais, bah, vendredi, je sais pas, après tu peux, je vais juste arrêter ça une seconde, c'est pas long. Ouais. Allô Steph?